Alors, les difficultés de Haas n'inquiètent pas Mazepin, le russe va débuter sereinement en Formule 1. Ouais, il serait bien de s'inquiéter quand même, hein. bon, euh, si ça le dérange pas de finir dernier à toutes les courses, pourquoi pas. Nikita Mazepin ne s'inquiète pas des performances de Haas cette saison, lorsqu'il débutera en Formule 1. Le débutant voit surtout la possibilité de progresser, de découvrir la discipline avant de penser à des performances. J'ai hâte d'y être, car le passage en F1 sera passionnant, quelles que soient les performances de la voiture, a déclaré le russe. Je pense qu'à ce stade de ma carrière en tant que jeune pilote, il n'est pas pertinent de réfléchir pour savoir si la voiture est bonne ou non. Ne se fait guère d'illusion sur le niveau de la Haas, mais veut avant tout se mettre en condition pour être pilote de Formule 1. Je suis évidemment conscient que l'équipe a eu une année difficile, mais je me concentre sur la réparation en F1. Une des premières choses auxquelles je s'adapter sera le rythme infernal que promet la Formule 1, avec 23 week-ends prévus en 2021. Le calendrier va être presque le double de ce à quoi je suis habitué. Ce sont les défis qui m'attendent et c'est sur... et ce sur quoi je me concentre pour l'instant. Euh, ouais, bon bah écoute, euh, Mazepin, j'ai envie de te dire, euh, t'es en F1, bon, c'est déjà pas mal. Après, il va falloir battre Mick Schumacher, et inversement, pour Mick, il va falloir battre Mazepin. Euh, bon, peut-être que s'il y a vraiment un carambolage à certaines courses, ils peuvent prétendre avoir un point ou deux, s'ils s'en sortent miraculeusement. Certains diront que c'est plutôt les pilotes As qui vont provoquer le carambolage que, que d'autres pilotes. <laughs> Mais bon... <laughs> Après, voilà. Écoutez, on verra bien comment ça se passe pour As. En tout cas, il commence assez mal l'année, puisqu'ils ne pourront pas démarrer le moteur avant les essais privés de Barine. Espérons que tout vaille bien pour eux, quand même. Je vous laisse réagir. Ciao.